Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui encore consacrée à un ouvrage d'exception. Alors je sais, vous râlez un petit peu parce que je vous parle souvent d'ouvrages qui sont épuisés ou autres. Et c'est vrai qu'il y a quelque temps, on a parlé de l'histoire de Nintendo, les trois fameux volumes, deux chez Pixelove, un chez Omake Books. Et vous avez râlé dans les commentaires en disant « Ouais, écoute Gunnet, t'es gentil, mais tu nous gonfles un petit peu avec des livres qui sont indisponibles. » Or, si vous êtes attentif, vous aurez sans doute remarqué dans les vidéos que je parlais d'un livre intitulé « Before Mario ». Eh bien écoutez, ce livre, on va en parler aujourd'hui parce qu'effectivement, ça raconte l'histoire de chez Nintendo avant l'apogée Mario, avant son arrivée et le chamboulement qu'il a créé dans le monde vidéoludique. Donc bien évidemment, c'est aux éditions Omake Books et on regarde ça tout de suite sur Gunnet TV si vous le voulez bien. Cigarette case? No. Game watch. Multi screen. 上下2つのスクリーンで1つのゲーム。下から上へ、上から下へ、マルチに展開。Donkey Kong. Alors, Before Mario, autrement dit chez nous, avant Mario, narre l'histoire de Nintendo avant sa période faste, qui est forcément associée à Mario. Donc, dans ce livre, on ne va pas forcément parler de Mario, surtout qu'à l'époque, il s'appelait Jean-Claude. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, je vous la raconterai. On va se focaliser, en fait, à travers ce très bel ouvrage sorti aux éditions Omake Books, écrit par Eric Vosquill. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est pas grave. Vous m'avez compris. Il a fait un très beau livre. Ce livre, Before Mario, raconte l'histoire de Nintendo avant la fameuse arrivée de Mario sur la scène mondiale, avec voilà, tout ce qu'on a pu connaître derrière. Alors, comment c'était avant Mario? Eh bien, écoutez, c'est simple, hein. Avant Mario, c'était la catastrophe généralisée. Les gens perdaient leurs dents, leurs ongles, leurs cheveux. Bref, c'était la catastrophe. Puis Mario est arrivé, et voilà, la planète a été sauvée. Et depuis, nous vivons dans l'euphorie permanente. Voilà, là, j'ai synthétisé. Mais bon, en fait, je vais rester un petit peu plus sérieux quand même. Et voilà, le contenu de Before Mario, eh ben c'est simple, parce que jusque dans les années 60, Nintendo se contentait d'imprimer des cartes à jouer, les fameuses Hanafuda, qui étaient en plastique, en papier, voilà, et ils cartonnaient avec leurs cartes. Puis, à partir des années 80, ils ont commencé à faire plein de jouets, des copies de Lego, des copies de Rubik's Cube, des pistolets optoélectroniques, ils ont même fait des love testers, hein, pour tester son amour, hein, avec une autre personne, enfin bon bref, c'était chaud Nintendo, hein, voilà, à l'époque, voilà, ils osaient des trucs, ils faisaient plein de petits jouets, des talkie-walkie, enfin bon bref, c'était la folie, voilà, Nintendo c'était effervescent en permanence, et ils sortaient plein de choses. Donc ce livre va répondre à cette question qui vous taraude tous, hein, quels sont ces fameux jouets dont on parle? Alors, il y a 50 jouets qui sont recensés, dont certains inédits, qui ont vraiment changé, entre guillemets, le destin de Nintendo. Puisque dans cette préface, on a la chance d'avoir Satoru Okada, qui est le co-créateur, excusez du peu, du fameux Game Boy et de nombreuses Game & Watch, ainsi que de nombreux jouets, donc avec Gunpei Yokoi, voilà, c'était les deux pierres angulaires de chez Nintendo à l'époque. Et on voit effectivement cette bascule progressive vers le jeu vidéo, et toujours en gardant à l'état d'esprit que ce qui prime avant tout, c'était l'amusement, et voilà, des jeux qui ne coûtent pas cher à produire. Et cette philosophie a longtemps été le leitmotiv de Nintendo, hein, faire du neuf avec du vieux, optimiser entre guillemets des technologies obsolètes pour les rendre le plus accessible possible au grand public, et puis surtout garder en ligne de mire la jouabilité, le jeu, l'amusement avant tout. Donc voilà, donc ça permet d'en savoir un petit peu plus sur Nintendo. C'est très très bien fait, honnêtement, voilà, c'est un très beau bouquin qui en plus va répondre à ceux qui étaient frustrés
des livres épuisés aux éditions Pix & Love sur l'histoire de Nintendo. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus avec les trois bouquins qui sont chroniqués. Et donc ben voilà, Before Mario répond à ceux qui voulaient en savoir plus sur cette époque pré-Nintendo telle qu'on le connaît. Et ma foi, c'est fort sympathique et je vous invite vraiment à découvrir ce très beau livre. Donc je le rappelle, il est sorti aux éditions Pix & Love. Alors, il est sorti il y a quelques années maintenant, il est sorti en 2014. Ça fait 224 pages, c'est tout en couleur et c'est très sympathique comme bouquin. En tout état de cause, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV.